Bonjour et bienvenue pour un nouveau numéro de Bourdon News. Tout de suite, on attaque avec un teaser. Un teaser de quoi, vous allez me dire? Eh bien, on a envie de vous proposer cette semaine le teaser du Peuple des Semences. Qu'est-ce que c'est? Ben, je vais vous en dire juste deux petits mots. Alors, c'est un reportage de François Delaunay sur le festival Pachamama Cocopelli au Pérou pour les 20 ans de l'association. Et pourquoi on vous propose ce teaser? Eh bien, parce qu'on soutient ce réalisateur indépendant. Donc, il faut que ce reportage puisse voir le jour. Il a besoin de soutien. Donc, je vous donnerai l'adresse qui va s'afficher juste en dessous pour que vous puissiez aller voir ce qu'ils vous ont dit et tout ça. Donc, tout de suite, je vous laisse en compagnie du teaser de Le Peuple des Semences. It's because we love the earth so deeply, we will fight ferociously to defend her and all life on earth. Es la energía. Es la alimentación y es nuestra medicina. It's an extremely important moment, and I hope the Global Seed Movement, which for me is a freedom movement, will get energized both for Latin America and the world. Una comunidad que tenga su semilla tiene su seguridad y soberanía alimentaria. Por eso estamos luchando en favor de la vida, en favor de la semilla, en favor de la biodiversidad. La estrategia es crear en cada escuela, en cada colegio, un banco de semillas y un vivero. Ce qu'on impulse à travers cette rencontre, c'est de dynamiser un réseau de gardiens de semences, une plateforme de la biodiversité gérée par le peuple, pour le peuple. No a las semillas transgénicas. Les pido por favor a todo el mundo cuidar nuestra alimentación para la nueva generación. On est des fous et des fous de la biodiversité. L'objectif de Dominique au départ, c'était vraiment un panel très très important et sauver toutes les anciennes variétés qu'on pouvait sauver sur la planète entière. Et tout de suite, on retrouve la Minute Zen. Thank you.
sorties cette semaine, on va retrouver la caravane des quartiers, et oui, les Beauvresses, avec un concert de Nocti et MOH. Et pour finir en beauté, on retrouve un reportage sur BDFIL de cette année. C'est ainsi que s'achève Bourdon News pour cette semaine. On vous retrouve normalement la semaine prochaine. Allez, bye!